Ok YouTube, on va lancer cette première course. Après 2h10 de live, on lance cette première course. Voilà, on a roulé, on a fait des réglages, on a fait un peu de tout. Ah, 12 c'était au can. Merde, j'ai fait combien? Bon, ah, excuse-moi, oh là 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 là, je sais plus combien j'ai fait. Bon, voilà. J'ai dû faire dernier, non? Non, si j'ai fait dernier, par contre, c'est honteux. Putain, j'avais vu du rouge. Ne se sont pas déroulés comme prévu, mais aucun point n'est attribué samedi. Il faut retourner la situation à votre avantage durant la course. Attendez, j'ai fait combien là? Je fais combien? C'est pas grave. On tente. Allez, on tente. Je sais pas combien j'ai fait, mais c'est pas grave. Il est grand temps de laisser derrière nous des mois. Je suis dernier? Non, arrête. Arrête. Ah, je suis bien dernier. Non, je suis 17ème sur 20. Allez, c'est parti. Mais elle est lente du cul! Mais c'est quoi cette voiture? Oh, il s'est rabattu devant moi, frère. C'est honteux. Ah, ça y est, ça commence déjà. Ah, ça commence déjà. Au secours. Attendez. J'étais pas dedans. Mais il s'est rabattu devant moi, hein. Je tiens à le dire quand même. Bon, c'est parti. Je sais ce que t'as dans le ventre. Ne me déçois pas. Stratégie par défaut, un arrêt. On peut faire deux arrêts pour essayer de remonter. Ok. Ok, bon, ça, on va faire stratégie par défaut. Faut que j'active dépassement au départ, ok. Putain, du coup, j'ai pensé à autre chose. Oh, je suis tellement lent. J'ai raté mon départ, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave le panneau. Oh, c'est honteux. Allez, on est parti pour 21 tours. YouTube. Ouais, mais putain, j'ai pas l'habitude de rouler en peloton comme ça. Oh, c'est raté. Raikkonen. Ah ouais, ça va être beaucoup plus compliqué à commenter quand même, hein. Ça va être beaucoup plus compliqué à commenter. Allez, on est derrière Lance Stroll. Oh, ça aurait été risqué là. Ça aurait été risqué de tenter ça. Ça aurait été bien de la merde. Je suis large un peu, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, j'ai de l'intermédiaire en termes de trucs. Ok, d'accord. Oh, mais je vais avoir du mal à gérer tout, hein. Je vais avoir du mal à tout gérer. Lance Stroll devant moi. À 6 dixièmes. Faut que je reste dans la seconde pour avoir le DRS. Et putain, il accélère tellement fort. Et 4 dixièmes, je reviens. Par contre, la pilule qui me met en ligne droite, c'est quand même assez scandaleux. Ok,
6 dixième. Je n'arrive pas à ce virage, c'est mon Némésis, ça me... J'ai dit pas ce trottoir, on a dit pas le trottoir ici. Pas le vibreur, le trottoir, n'importe quoi. Je suis large, c'est pas grave. Faut que je reste dans la seconde là, faut que je reste dans la seconde. Meilleur tour pour Hamilton. Bon alors je commenterai mieux quand je serai plus à l'aise avec les commandes. Hein. Je vous avoue. Je vais activer le déplacement pour pouvoir avoir... pour pas partir de la zone de DRS. J'ai envie de me buter. J'ai une sacrée envie de me tuer. Ok, j'ai le DRS. Oh, ça tente de dépasser devant. Putain, j'ai perdu tellement de temps sur Stroll. Il a percé Giovinazzi. Ok. Je suis pas dedans. Allez, ils se sont gênés. Ok, on va activer le DRS. On l'a sur Giovinazzi. Je crois qu'il l'a aussi sur, sur Stroll. Ne te tracasse pas, conduit. Ouais, t'inquiète. On y croit, hein. On y croit. Ok, il est plus dans la seconde. Je crois qu'il est plus dans la seconde de Giovinazzi. On va pouvoir le rattraper. Je vais activer le dépassement. Par contre, j'ai rien dans le cul ou c'est comment là ma... Mon Alpine là. Il se marchait dessus, frère. Ah putain, je suis plus dans la seconde. Je suis plus du tout dans la seconde là. Secours! Ok, un gars hors course, ça c'est propre. Ok, c'est cool. Ok, je suis dans la seconde. Faut que je passe la ligne dans la seconde. Logiquement, ça va être bon. À la course au Giovinazzi, hein. Je vais activer le dépassement. DRS activé. L'aspiration. Il va défendre. Putain, j'avoue, c'est captivant en vrai. J'avoue que je kiffe. Oh, le public a réagi. Le public a réagi à ma douleur. À ce fail. Non. Ah, je suis en train de me déconcentrer en essayant de jouer avec mes touches. Je suis déconcentré à force de jouer avec mes touches. J'ai pas l'habitude de jouer avec mon volant, du coup. C'est en train de me déconcentrer à mort.
Giovinazzi, une seconde 3. Ah, il m'a mis une balle là, il m'a mis une balle. C'est pas grave, je compte revenir. Le problème, c'est qu'il va mettre la pilule en ligne droite. Je vais rien comprendre. Ah là 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 là, fuck. Fuck my life. Ok, on est revenu à une seconde. Allez, allez, allez. Faut pas qu'on lâche. Giovinazzi, t'es à moi, mon pote. Je te le dis. Ok, on re-rentre dans la seconde avec Giovinazzi. Ok, on est revenu et on revient sur Stroll. On revient sur Stroll aussi. Ah bâtard, je suis pas dans la zone du DRS là. Enfoiré, va. C'est pas grave. Quoique, on revient sur Stroll vite fait. Hein. J'ai pas de bonne trajectoire, bordel. C'est quoi cette trajectoire pérave? Sa mère va. C'est pas grave. J'arrête de regarder le chat aussi pour éviter tout. Ouais. Je passe en mode dépassement. Allez, on revient. On revient sur Giovinazzi. Quand je fais pas de la merde, on revient sur Giovinazzi. Je dis bien quand je fais pas de la merde. Il est juste là. Il est juste là et on est revenu sur Stroll. Et on a le DRS de nouveau. Comment ça un écart se forme? Je reviens sur lui. Je viens d'avoir le DRS. Qu'est-ce qu'il me raconte Roger? Il est juste là. Il est juste là, 5 dixièmes. 5 dixièmes de Giovinazzi dans ce tour numéro 7. Et on a le DRS. Alors attendez, je crois. J'y crois. Voilà, j'y crois. Oh, je suis désolé les gars, mais alors là. Merde. Attendez, parce que j'ai plus de. C'est comment? C'est B. B, on va mettre ici. Pour se pénaliser dans le vir. Quoi? C'est quoi cette daube? Je veux. Voilà. Y. Non. Pas du tout. X. Excusez-moi. J'ai droit à un petit flashback. Oh, c'est les débuts. J'ai droit à un petit flashback. Vous m'autorisez. J'ai droit à un petit flashback quand même. Par contre, faut que j'arrête de prendre le vibreur là, là. Allez, on re-rentre dans la zone du DRS. Russell s'est mis au stand. Passer ici. Gasly qui s'arrête aussi. Il y a du monde qui s'est arrêté. On va utiliser le DRS. En fait, le mode dépassement, je peux le mettre même quand j'ai pas besoin de dépasser en fait. Ok, il y a Ricardo derrière moi. Qui lui a dû s'arrêter aussi.
Celle-là, je l'ai rattrapée par contre. Va me passer. Je peux pas. Voilà, je peux pas. J'ai perdu du temps. Mais il va en perdre aussi. Ça, c'est dur. Ça va être dur de tout lire, Sora. Hein. Je vais pas te mentir. Ok, Giovinazzi qui va tenter de résister. Ah, je suis pas à une seconde. Quelques mises au point à faire sur le pilotage, mais ça va pour un premier GPA. Bah merci, c'est cool. Ok, ça s'est arrêté au stand. Hein. L'essentiel, c'est que ça soit surtout agréable pour vous à regarder. Putain, je me rate. Chier. Notre retard sur la voiture de devant est de 1,8 secondes. J'ai un Norris derrière moi. Va me passer, je vais pas résister hein. Ça, on n'a pas la même course. Vas-y, Verstappen qui passe. Le suivant, appui 8, tour, entre le tour 15, ok, je m'arrête autour du tour 15 et trucs. Attends, j'avais le DRS. Putain! Excusez-moi, j'étais... en train de bidouiller mes touches. Va falloir que je prenne l'habitude hein, pour les touches par contre. Parce que ça en NASCAR, je l'ai pas. Hein. Bravo, tu viens de gagner une place. Re Tommy. Putain mais Giovinazzi, je suis censé me le faire en fait. Si j'étais pas un pilote pérave, je suis censé me le faire en fait. Je vais laisser passer Perez hein, en vrai. Moi je suis pas un bâtard. Alors je tente de bidouiller mes touches hein. Je tente de bidouiller mes touches, donc attention ça a chier. Voilà, j'en étais sûr. Ah, ça va être compliqué, je vous le dis les gars, ça va être compliqué. Je tente de bidouiller mes touches, mais vu que j'ai pas l'habitude. Ah non, je veux pas des intermédiaires. Vous me conseillez de mettre quoi? Des durs pour la fin? Attends, je m'arrête dans... Je vais mettre les durs, hein. Putain, je suis perdu dans mes touches, frère. Non, je vais mettre des tours. Je vais mettre des durs. Hein? Non, mais Roger, on avait dit durs.
Qu'est-ce qui me... Je comprends rien, au secours. Au secours. Là, tu sais quoi, il me chaussera ce qui me chaussera et puis fin. Déjà, on va essayer de faire une course correcte. Rip le moteur Renault, mais non, mais là, rip la Renault tout court en fait. Rip la Alpine tout court en fait. Putain, je me gourde dans mes touches en plus, ça me rend fou. Mais Giovinazzi en plus, je suis plus rapide que lui quand je me concentre. Faut que je me focus. Focus. Je vous jure que Giovinazzi, je m'appelle pas Thibaut s'il finit pas devant derrière moi. Ok, Gasly. Je vais pouvoir avoir un... Le DRS. Putain, ici. S'il faut que je ralentisse un peu, je peux plus me permettre de le prendre à fond. Ah, sauf si Gasly me met à plus d'une seconde, là. Je vais activer le dépassement pour pouvoir avoir le truc. Il y a Giovinazzi qui se fait passer. Ok. Giovinazzi qui retente de passer. En fait, Giovinazzi, il casse les couilles. Il casse les couilles au premier alors qu'ils sont, c'est pas la même course. Il est juste là, Giovinazzi. Hein. Il est juste là. Je vais enlever le dépassement parce que là, il y a Gasly devant. J'ai pas envie de l'embêter. Les pneus de la voiture de derrière sont bien équilibrés. Tiens, on va garder un œil sur les chronos. Je suis en train de galère sur mes touches, ça m'en fout. T'as vraiment me jugé pas, hein. Premier GP, me jugez pas. Pour vous dire, la dernière fois que j'ai touché un Formule 1, c'était en 2009. Voilà, pour vous dire la vérité. Rentre, il faut que tu t'arrêtes sur ce tour. Ok. Il va me faire chauffer des... Il va me faire mettre des hards. Ok, j'étais à plus d'une seconde de Giovinazzi. C'est pas grave, on sait qu'on est plus rapide. On sait qu'on est plus rapide que Giovinazzi. Je commençais à moins rétrograder parce que là j'ai les pneus qui commencent vraiment à partir en yux. Tu kiffes le jeu pour le moment? Ouais ouais, en fait c'est juste qu'il va falloir que je m'habitue à rouler quand t'as pas l'habitude des touches en fait. J'ai vraiment pas l'habitude des touches. On revient sur Giovinazzi. Ah putain, je me suis gouré. Tu vois, par exemple, j'ai appuyé sur A et mon cerveau, il a oublié de passer les vitesses du coup. Vu que j'ai appuyé sur A pour mettre le DRS, il a oublié de passer les vitesses. Tu vois ce que je veux dire, c'est ce genre de truc là. Mais sinon, ouais, le jeu, je le kiffe. Hein. Bon, désolé, hein, il y aura pas de touquet, je pense. Putain, il faut que je me concentre. Allez, il y a pas de touquet parce qu'on a mis beaucoup de temps à essayer de rouler. Mais je pense que les courses de Formule 1, je pense que pour prendre le jeu bien en main, je vais faire qu'un seul stream parce que le stream va durer longtemps. Donc je vais faire qu'un seul stream. Putain, là tu vois, j'ai dû activer dépassement plus DRS. Ok, on vient sur Joe. Allez, il est juste là, Giovinazzi. Yuki Tsunoda qui appite. Pu
Puis il n'y a pas à dire, hein, la NASCAR c'est vraiment virage, virage à gauche. Ah, il y a un peu plus de virage à droite quand même qu'en NASCAR. Allez, on revient. C'est 10e sur Giovinazzi. Ah merde, j'ai raté les stands, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, je crois que c'est entre 13 et 15 tours. Donc je peux encore m'arrêter. En vrai, je vais m'arrêter maintenant. Si Giovinazzi, s'il s'arrête pas, je peux tenter l'undercut. Hein. Attends, je peux même pas commenter ma course parce que je suis tellement focalisé sur ma conduite et sur le reste. Là, je dois faire quoi? Rentrer ce tour. Rentrer ce tour. Ok, tu peux rentrer dans ce tour. Non, mon coéquipier rentre au stand. Oh, vas-y, je suis dégoûté, frère. Va falloir que je fasse un tour en plus. C'est pas grave. On est comment niveau carburant? Ok, c'est bon. Il y a mon coéquipier au stand. Oh, je suis dégoûté, frère. C'est une catastrophe. Attendez, je vais utiliser. Je vais utiliser le dépassement en vrai. Comme ça, je vais essayer de faire un vrai chrono. Et Giovinazzi, je le fume. Bon, j'ai les pneus, ils commencent à un peu galère. Hein. Je commence à un peu galère au niveau des pneus, c'est qu'il s'est Vettel derrière moi. Il va me passer, je vais pas le déranger. On n'est pas sur la même course. Oh, t'avais la place là, gros. Oh non, il m'a fait perdre du temps. Dégoûté, frère. Rentrez ce tour. Demande des pneus durs, c'est bon, je suis en hard. Je suis en hard. T'as endommagé ton aileron, jure? Ah ouais, bah ouais, avec le Vettel, le contact avec Vettel. C'est bon, tu peux partir. Non, ça va, il me le répare pas, donc ça veut dire que non, je pense. C'est pas grave, au pire. Je suis en panique, frère. Ok, c'est bon. Giovinazzi, il est derrière? Essaie de ménager tes pneus, l'objectif est de finir. Il est passé. Oh, bâtard! Non! Non! Non, abusé. Wesh! J'ai pas pu utiliser mon truc. Oh, excusez-moi, non, là c'est. Fin de notre stratégie pour les stands. Tâche de conserver ces gommes jusqu'au bout. Ouais, c'est que les gommes elles sont froides en fait. Ah oh, ouais, la galère pour sortir des stands. Eh, hey, Giovinazzi est à 3 secondes. Giovinazzi est à 3 secondes. Faut que je le fume. Je m'appelle pas Thibaut. Si je le fume pas. Allez, 3 secondes. 3 secondes pile. Ouais, je trouve ça. Moi, je trouve que la pénalité aurait mérité plus à Lewis que ce qu'il a fait en Angleterre qu'à Max. Personnellement. Deux secondes 8, on est revenu. On a pris 3 dixièmes dans ce segment. Là, c'est Anascar qui parle là.
Allez, 2 secondes 6. Tu as un bon rythme, mais fais attention, tes pneus doivent tenir jusqu'au bout. 2 secondes 6. Je vais mettre ça. Hein. Oh, il y a Vettel qui vient de sortir des stands. Vettel qui vient de sortir des stands avec des médiums. Une seconde 8. Putain, mais Giovinazzi, mais gros, on le fume. Si je faisais pas des erreurs idiotes et que je restais concentré. J'ai usé tout le RS que j'avais là, toute la batterie. Ah, j'ai perdu tellement de temps. Allez, 2 secondes, 1. Deux secondes, allez, on revient. Il y a un mini réglage dans le mini graphique à droite où tu peux demander au mécano. De réparer ou pas ton aileron. Ok, d'accord. Giovinazzi, 2 secondes 1. Putain, mais je suis censé le fumer ce bâtard hein, quand même. Hein. C'est honteux là. Oh, je me rate en plus. Allez, 2 secondes. J'ai le droit, je vous jure, c'est premier Grand Prix, j'ai le droit. Non, c'est frustrant, non, j'ai le droit. De toute façon, je regarde pas le chat, je m'en fous. Je ne veux pas voir le chat, je m'en fous, je me suis raté. Là, j'entends rien, je ne vois rien. De toute façon, j'ai perdu du temps. Mais putain, ce virage-là, gros, j'y arrive pas. Hein. Parfait, là. Faites mon prix. Une seconde 9 sur Giovinazzi. 2 secondes, une seconde 9. Allez, on revient. On revient. Faudrait que j'arrête de faire de la merde, en vrai. C'est juste ça. Et quand j'arrêterai de faire de la merde... Une seconde 7. Je reviens. Voilà, quand j'arrête de faire de la merde, je reviens. Russell au stand. On passe Russell, il va chauffer les médiums. Il va chausser les médiums. Un peu large ici, c'est pas grave. Oh, le public, ça va aussi. Sur mes côtes, le public, là. Ah, il va rester 10 tours. 11 tours. On est 14e pour l'instant. On a commencé 16e, je crois. Hein. Pas mal du tout. Une seconde 4, on revient. On revient sur Giovinazzi. Putain, je m'en mêle dans mes vitesses. Putain, gros, j'ai perdu. Je m'en mêle dans mes vitesses, fais chier. Une seconde 7. Allez. Une seconde 8.
Une seconde 6. Allez, on revient sur Giovinazzi. Putain, je suis en mode Hess de RS, hein. Putain, il est juste là, ce bâtard, hein. Il est juste là, une seconde 1. On a tellement pris dans ce ligne droite plus virage. Valtteri Bottas est hors course. Ça nous fait une position de gagner en plus. Pas de raté, Thibaut, s'il te plaît. Un drapeau jaune, ok. Ah oui, va falloir que je fasse gaffe aussi à ça, bordel. Une seconde 5, une seconde 6. J'ai du mal, hein, avec le double virage là, plus là. J'ai vraiment du mal, quoique là, je l'ai bien pris. Une seconde 5. Allez. Moi, je vous le dis, hein, je m'appelle pas Thibaut si je le dépasse pas, hein, ce Giovinazzi là. Hein. On se rappelle de 2006, hein. France-Italie 2006, on s'en rappelle, hein. Materazzi, hein, on s'en rappelle, hein. Mec, rien à voir, hein. Pff, strictement rien à voir. Il est juste là, ce bâtard. Il est juste là, putain, je suis pas dans la seconde. Ah, mais vous me connaissez, dans ces genres de moments-là, en général, je chie dans mon ben, quoi. Bon, je suis revenu. J'ai le DRS. Oh les amis. Oh les amis. Oh les amis. C'est le moment où je vais craquer mon slip. Il est juste là, hein, cet enculé. Il est juste là, hein. Mais accélère! Il est juste là. Hein. Il est juste là. Là, on mord pas, évidemment. Voilà, parfait. Bordel, 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 non! C'est pas grave. Je reste dans la seconde ou pas? Je reste dans la seconde. Oh, les gars! Je me chie pas dans le ben, logiquement. On a le DRS activé. On a le DRS activé. Oh, j'en ai marre. C'est pas grave. Première tentative, c'est pas passé. C'est pas grave. Il y en aura d'autres. Oh là 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 là. Il glisse. Oh là là, la pression. La pression. Il a la pression. Il a la presse. On lui met la presse. Alors par contre, quand il y a quelqu'un sur ta trajectoire, là, faut pas que tu te fies aux couleurs. Hein. Il a la pression. Il a la pression. Bon, j'ai glissé un peu, mais c'est pas grave. J'ai aucune notion de combien de tours il reste. Allez! Il est juste devant. Il est juste devant, Giovinazzi. Il est juste devant. C'est une bataille pour la 12e place. Il est juste là. Il est juste là. Alors, on sort bien. Je vais attendre le prochain virage. Allez. 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 Tente un extérieur ici. Non, ça passe pas. On va tenter de décroiser. Non.
Ah vas-y, ok, je suis en train de kiffer le jeu, voilà, je veux pas vous mentir. Là, je suis en train de kiffer le jeu. Ah, mais j'ai pas le DRS. Ah, ça fait plaisir. J'enlève le dépassement, il y a trop de touches à manipuler. Mais c'est très chouette, Giovinazzi. Très très chaud. Russell est à 9 secondes derrière moi. C'est là où là j'ai du mal. Va falloir que je fasse gaffe. Ouais, j'ai du mal là. J'ai du mal. Quelle bagarre avec Giovinazzi. Russell qui revient, mais il est trop loin. Oh ça, attention. Attention, attention. Avec l'aspiration. On va se montrer dans les rétros, mais on va pas y aller. Pas tout de suite. Par contre ici, on y ressort bien en plus. Avec l'aspiration. Wesh. Non, c'est quoi? Non, non, non. Il me fait un coup de roue. Il me fait un coup de roue. Il me fait un coup de roue en mode toc toc. C'est quoi ça? Non, t'as pas le droit. 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 Non, y a pas le droit. Y a pas le droit de faire un coup de roue comme ça, les gars. Y a pas le droit. Y a pas le droit. J'étais ressorti parfait, wesh. Là, il me fait un coup de roue, pourquoi? Et ça passe sur Giovinazzi, faut pas que je prenne trop large. Il est à côté. Il va repasser, Giovinazzi. Il repasse. Giovinazzi qui repasse. Mais si même on a des... Si même en F1 on a un suspense comme en NASCAR, on va vraiment croire que je scripte tous les jeux. Putain. Je m'en fous, j'ai le droit à tout ce que je veux comme flashback. C'est vrai qu'en vrai, faut pas que je me fie à ma trajectoire, elle est trompeuse en vrai. La trajectoire dessinée au sol, elle est trompeuse. Quand il y a quelqu'un devant, elle est tellement trompeuse. Quelques infos au sujet de Vettel. Leur monoplace a des soucis, ils vont tourner au ralenti. Ok, Vettel, je sais pas où il est. Drapeau jaune. Où ça, drapeau jaune? Oh non. Putain, j'ai doublé. Ok. Vettel qui s'arrête au stand parce qu'il a des problèmes. Retour à la normale. Et nous, Giovinazzi, il est devant nous. On va faire un espèce de bloc pass un peu là. Et non, ça ne passe pas. Giovinazzi qui résiste. Oh, ça glisse. Ça glisse. Oh putain, je suis en train de kiffer le jeu, les gars. Je suis en train de kiffer le jeu. On va tenter de le passer à l'extérieur ici. À l'extérieur et ça passe. Ça passe sur Giovinazzi. Non, je me suis complètement raté. Attention. Attention à pas se rater. Ok, je suis en train de kiffer le jeu, les gars. Hein, je vous le dis. Là, ici, je suis tellement lent là, mais je déteste ce virage. Il va avoir le DRS. Il va avoir le DRS. C'est à moi de le bloquer cette fois. Putain, j'ai jamais été en position de défendre. Je sais pas ce que ça fait. Notre retard avec la voiture qui nous
Putain, c'est moi, on a une place des... On a une place des points, wesh. Il a plus d'une seconde, il a pas le DRS, logiquement. Logiquement, il a pas le DRS. Je crois qu'il l'a. Il l'a, putain, il l'avait. Je me rate. Je regarde dans les rétros, mais je me rate. Ok, faut pas que je fasse de conneries comme ça. Il a le DRS de nouveau. T'as en plus commenté. Oh, les gars. Mais en vrai, c'est kiffant. En vrai, je vais pas vous mentir que c'est kiffant quand même. J'ai pas entendu ce qu'il m'a dit Roger, mais c'est pas grave. Il faut que je reste concentré parce que là j'ai la pression. Là j'ai la pression maintenant. C'est moi qui ai subi la pression de plein fouet. Putain, je suis tellement lent ici. Il y a le DRS. Faut que je protège. Ok, logiquement tu peux difficilement doubler ici. Tu rattrapes pas assez. Par contre, ouais, j'ai dû voulu protéger du coup. Ici, on a dit pas le vibreur, connard. Putain, les gars, je me déconcentre. Ah ouais, mais c'est donc ça la pression? Ah, parce qu'en NASCAR, quand tu passes, après, t'as aucune chance que l'autre te repasse. Attends. Il va me repasser avec le DRS là, dans ligne droite. Par contre, j'ai du mal à. C'est vrai que quand les pneus sont usés, c'est tellement dur. Et il prend l'intérieur. Giovinazzi. Et on tente de résister. Mais il est à l'intérieur. Cette fois il va passer. Ah, peut-être pas. Ouah, ça touche. Ah, j'ai glissé. Oh putain, j'avoue les gars, c'est kiffant. J'avoue les gars, c'est kiffant. Et du coup, c'est moi de nouveau qui suis à l'attaque. Ah mais là, je perds tellement de temps ici. Il est juste là, Giovinazzi. Il est juste là. Fais gaffe à l'essence. Des pneus ont l'air en bon état. Attends, je peux pas. L'essence, c'est où? Ouais, mais je suis à plus de 2,19 et je peux pas toucher au truc. On va tenter de passer. Ouais, c'était un peu un dive bomb. Je peux pas changer pour mettre en ultra riche. Putain, il a une seconde. Et là, j'ai perdu du temps là parce que ici, je suis pas bon. Non. Attendez là. Alors j'ai pas envie de... Là pour le coup j'ai pas envie non plus de tricher. C'est à dire que je vais reprendre ici. Comme ça je reprends pas beaucoup de temps. Hop voilà. Comme ça voilà hop. Je lui laisse du temps, j'ai pas non plus envie de tricher. Et de doubler Giovinazzi juste grâce au flashback. Putain, j'ai glissé sa mère. Ah les gars, il va finir devant moi. Ah putain, j'y arrive pas. Hein.
d'écart avec le pilote de devant et de... Ah, je suis plus dedans, je suis plus dedans. Je suis plus dedans. Putain, c'est tellement dur. Ah, attends. Je vais me mettre ici. Voilà, ici. Il va finir devant moi. Hein. J'ai fait exprès de me mettre dans la merde un peu. Parce que j'ai pas envie non plus qu'il... Il va finir devant moi. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement. Et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. Dernier tour en course. C'est ton dernier tour. Fuck! Putain, j'étais plus rapide que Giovinazzi, frère. Mais je vais me faire baiser. Ah, mais il y a Russell derrière en plus. La voiture de derrière te rattrape d'environ 2 secondes au tour. Oh, c'est trop de pression là. Et Lewis Hamilton qui remporte ce Grand Prix. Et moi, je suis en perdition. Ok, faut pas que je me déconcentre. Faut que j'arrive à résister à Russell. Putain, c'est tellement dur de garder une concentration en plus là. Alors que je résiste à Russell. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Alors que je résiste à Russell. Qui a le DRS en plus. Et ici je n'arrive pas à prendre le... J'essaie de résister. Ah ouais, mais t'es trop tenté de regarder dans les rétros en fait. Ah vas-y, c'est de la merde. Je vais me décaler. On va essayer de rester devant lui. Oh non, mais non, j'ai oublié de... Ah. Y'a rien qui allait. Y'a rien qui va. Y'a rien qui va. Non, franchement. Franchement. C'est vraiment cool. Faut juste qu'en fait, je gère entre... Faut juste que je prenne l'habitude. Je vais refaire mes binds pour mon volant. Mais faut juste que je me fasse aux touches. Et franchement, c'est assez satisfaisant, j'avoue. J'avoue que j'aime bien. Ils ont réussi à garder la tête froide, alors que le reste du plateau montrait des signes de nervosité. Ils ont tiré le maximum de leur monoplace, optimisé leur stratégie et évité les ennuis. Putain, je suis dégoûté, gros. Giovinazzi, je l'avais. Et en plus, dans mon commentaring et dans tout, j'oublie de passer la vitesse à la fin. Il n'y a rien qui va, gros. Il n'y a rien qui va. Bon, bah écoutez, on finit quand même à 2 places des points. On aurait pu même... à 3 places des points. On aurait pu même être à 1 place des points. Bah, GG, Tommy, merci, hein, mais... Esteban Ocon qui finit 8ème. Du championnat des pilotes après cet excellent résultat. Ouais, et comment te dire que ça se passe pas hyper bien. Comment te dire que ça se passe pas hyper bien. On aura quand même fait 16ème. Alors attends, on a fait 16ème. Je peux pas voir en bas là. Pourquoi je peux pas voir en bas? Soyez au rendez-vous pour suivre le prochain Grand Prix à nos côtés. J'ai pas la touche qui va pour regarder en bas. C'est quoi cette merde? Ah si, attends. Voir le classement. Carlos Sainz avait abandonné. Valtteri avait abandonné. Kimi avait abandonné. Donc en gros, à la régulière, on finit devant Mazepin, Latifi, Mick et Vettel. On aurait pu finir devant George Russell. Et on avait le niveau pour passer Giovinazzi. Donc en gros, on a gagné 3 places et on est devant 1, 2, 3, 4 places, 4 personnes à la régulière. Ouais, on n'a pas gagné de place de fou. Tu vois qui gagnait dimanche? Ah, moi je vois Max Verstappen, il doit être en ce moment il est vraiment chaud. Visionner les temps forts, attendez, on va regarder toutes les trucs.
Ouais, mais t'inquiète, franchement, Nat, je vais. Va falloir que je. Juste que je joue en fait. C'est, en fait, c'est vraiment une question de bouton, c'est une question d'habitude aussi, parce que commenter la course comme ça, au final, c'est super dur. Là, j'ai déchiré déjà un polo. J'ai pas l'habitude aussi des départs comme ça. C'était mal embarqué quand même, hein. Oh, il y en a eu plus d'une, hein. Il y en a eu plus d'une. Il y a eu... on doit être à 5 flashbacks, je crois. 6. Ah, mais en fait, les temps forts, c'est juste le ralenti de la course. Ok, bon, c'est... Ah, non. 10e tour. Attendez, là, on est dans la route Giovinazzi. 13e tour. Là, c'est là. Regardez cette passe d'armes incroyable. On a l'aspiration. Et là, à l'extérieur, on a voulu recroiser. Putain, les ralentis sont vachement bien. Là, regardez. Attendez. Là, c'était là. C'était ensuite le tour suivant, je crois, non? 23. Non, 27. Regardez. À l'extérieur. Putain, Giovinazzi, il a quand même bien défendu, hein, ce salaud. Et là, ici. Là, côte à côte. Putain, les ralentis sont bien faits, en vrai. Et là, on tente quand même à l'extérieur, hein. On tente quand même à l'extérieur. Et là, on a glissé. Ça a un peu touché, mais pas de dégâts. Ah ouais, c'est ici. C'est ici, je crois que c'était ici le point le plus chaud. Regardez, hop, on se décale. On aura tenté, hein. Ah non, même pas. Ah, et là, c'est là où on a tout perdu. Et la Vettel qui nous passe sur la fin, bon bref. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, il n'y avait rien. Ok. Je vais essayer, après je vous garantis rien, mais je vais, faut que je joue en fait. Rencontrer la presse. Les pilotes de F1 attirent beaucoup les attentions et les médias. Donc ça, c'est tout ce qui est... Avec vous, ça semble facile. Ouais, j'ai fait 5 flashbacks, 5 rollbacks, mais c'est pas grave. Ah, j'aime trop répondre comme ça, vas-y. On dirait que vous accordez une place importante à la recherche et développement cette saison. Ah ok, d'accord, à chaque fois, ok. Pourquoi n'étiez-vous pas aussi rapide que votre coéquipier? J'ai commis quelques erreurs. Ah, on peut dire. Hein. La course ne s'est pas déroulée sans problème. À ça, on a un rollback et on a... Personne ne veut céder sa place, c'est le genre de choses qui arrivent. Je n'ai pas tout compris, pour être honnête. Vas-y, on va se dédouaner un peu. Un jour, on a affecté notre... Ouais, mais peut-être qu'on l'a affecté dans le bon sens. Eh, franchement, les gars, je vous jure que je kiffe. Je kiffe. Parce qu'en plus, l'IA qui se défend et tout ça, franchement, c'est kiffant de ouf. C'est kiffant de ouf. Ce que je vais faire, c'est que hors live, je vais changer un peu tous les boutons pour que ça soit plus sympa, plus simple. Parce que en plus, déjà que j'ai du mal, en plus, c'est compliqué, ça va être chaud. YouTube, des bisous. Voilà, c'était... C'était la première course en Formule 1. J'espère que ça vous aura plu. Et voilà, des bisous.